Zombie apocalypse. Et salut tout le monde, c'est Shirelle. On se retrouve donc pour l'épisode numéro 20 de Hold You Home. Excusez-moi, j'ai encore une bronchite, mais bon, ça, c'est une question d'habitude. Donc là, je suis revenue à la base. Je vous avais laissé à l'épisode précédent où j'avais oublié de mettre le son, mais ce coup-ci, il y est. Il n'y a pas de problème. Donc, on doit partir au niveau des quêtes. On doit aller tuer 10 gardes. C'est ce que Rick nous avait demandé quand on l'avait trouvé au niveau du garage. Donc, on doit aller tuer 10 gardes au niveau de Coby Island. Alors, tuer 10 gardes localisés à la tour de Coby Island. Ils ne seront pas essentiellement au niveau de la tour. Il est possible de les avoir aussi dans la forêt. Mais bon, ça, on le sait. On a déjà vu. Donc là, je suis repassée. Donc, je suis revenue ici. Donc, on était sur Skull Island. On était allé, on avait trouvé Rick ici. Donc moi je suis revenue à ma base et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à Coby Island. Alors je sais pas trop où je vais me mettre, mais je pense que je vais mettre par là. Voilà. Donc j'ai tout ce qu'il faut sur moi. De toute façon, à part tuer des gardes et trouver des trucs. Donc j'ai pris un nid. Parce que bon, sait-on jamais. J'ai assez de flèches, j'ai assez à manger, j'ai assez à boire. On a tout ce qu'il faut. J'ai pris quelques grosses boîtes de soins quand même. On a quand même pas mal sur nous. Et on est parti pour Coby Island pour tuer, massacrer ces gardes. Si j'arrive à monter là où je veux, voilà. Donc j'ai remis un petit peu de fuel au niveau du bateau parce que j'étais un petit peu en panne de fuel. Enfin, sur le chemin, ça me disait fuel en rouge. Donc, on est parti. Ce que je vous propose, c'est de vous retrouver dès que je suis arrivé à Coby Island. A tout de suite. On se retrouve donc à Coby Island. Alors, je ne vous dirai pas que je fais la fière parce qu'ici, on avait juste posé une petite plateforme. On n'avait pas fait de mur. Donc, bon, c'est quand même un danger ici. Donc, alors, il faut que nous tuions 10 gardes. Tuer 10 gardes. Alors, il faut qu'on trouve aussi une tour pour trouver les plans. Alors, on a intérêt de faire gaffe. Bon, on a le bateau, on a le lit. Normalement, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que ça va être dans une tour ou est-ce que c'est un hunter qu'on va buter qui va nous donner les plans? Je ne sais pas du tout. On va fouiller un petit peu déjà la ville. J'avais tout vidé dans le... On s'en fout, on va le gicler. Comme d'habitude. Hop. Les clous, on va le prendre. Ça, on va jeter. Je sais pas trop, en fait, si ça va être un endroit particulier en fouillant les maisons ou autre, ou si... Ça va être sur un hunter qu'on va trouver ça. Alors, si c'est un hunter, le problème, c'est qu'il va falloir tous les tuer, quoi. Donc, on n'est pas parti. C'est là le problème. Si c'est effectivement ça le cas. Donc, ben, écoutez, on va fouiller partout. Alors, ce qu'on ne veut pas, hein, on va en prendre quelques-unes ici. Bien sûr que ça, on prend. Le gasoil, très important. Ici, ça en a besoin. Tout en ne restant pas full. Parce qu'il faut qu'on ait la place pour les plans. Alors, quitte à se planquer un petit peu la nuit, etc. On se planquera. Hein. Mais je crois que là, ça va être... Ah oh. Un petit peu du pifomètre. Il va falloir qu'on trouve ces maudits plans et trouver et tuer 10 gardes. Bon, ça encore, tuer 10 gardes, c'est pas trop compliqué. À condition qu'il nous en ait pas mis 3 tonnes pour la quête. Parce que il n'y a pas que les gardes, hein. Il va falloir éviter les loups, il va falloir éviter tout ça.
Ça, je n'en veux pas. Ça, je vais prendre. Ça, j'en veux pas. Ça, je prends. Alors, je reprends bien mon arc. Hop. Sait-on jamais. Un bon tour. Ici. Ça, je prends. Hop. Ici, ça, je prends pas. J'en ai plein. Alors, des clous. Bon, en espérant qu'on trouve aussi, ben, puisqu'on doit fouiller la ville, hein, tout ce qui est Electric Parts, hein, comme d'habitude. Ce qui nous manque le plus. Ok. On prend. On reprend l'arc. Pour l'instant, il n'y a pas la queue d'un chat. On ne veut pas. L'Electric Parts. Parce que comme ils disent, hein, ça peut être... c'est bizarre qu'ils précisent quand même cette affaire de la possibilité que ce soit aussi dans... dans les bois, alors qu'on sait très bien que on peut se faire attaquer partout, on l'a vu maintenant. Je garde la place quand même pour... qu'il faut que je garde la place pour bah, les plans. On reprend le l'arc. Bon, on va attaquer par la maison qui est là. Je sais pas si on aura le temps de tout faire là, pour être honnête. Vu que je ne sais pas exactement, comme je vous dis, si c'est sur un hunter ou dans une maison. Donc... peut-être que ça sera en deux fois. Je sais pas. On va voir si on sent. Si au bout des 10 gardes, ça valide la quête, on dira alléluia. Mais je ne sais pas là. Du tout, du tout, du tout. On parle bien d'une tour, mais alors, où est-ce qu'elle va être? Ok. Pour l'instant, on peut pas dire qu'il y ait grand monde. Hein. Allez, attaquer. Allez, tuer. Dit Hunter. Ça peut être dans les bois. On va fouiller la ville déjà. Alors, déjà, il y en a un là. Bruit gourd, lui. On a tué un. Ok. Alors, je crois que, à mon avis, ils savent qu'on est là. On peut se prendre la tête. Ah bah, attendez. Ok, deux. Ouais, je crois que là, ils défendent. Hein. Hey! Mais oh! Ils défendent, ils défendent, ils défendent plein pot. Hein. On s'en fout. Ils m'ont fait mal. Hein. Qu'est-ce que je peux jeter? Qu'est-ce que je peux jeter? Ça, c'est à revendre. Ça, je vais jeter. Et ça, on s'en fout. Alors. On n'a pas trop eu le temps de fouiller. Parce que je les ai vus foncer sur moi. Donc. On arrive de là à droite. On a fouillé ici. Mais écoutez, on va aller fouiller la maison là.
Donc ça, j'en veux pas. Peut-être essayer, on va plutôt avancer en essayant de. Je vais me soigner. On va essayer de tuer ces 10 gardes. Celle-là, je n'en veux pas. Comme ça, au moins après, je pourrais, moi, à la limite, hors vidéo, crafter, enfin, vider la ville, quoi. Va plutôt faire ça. On va essayer de tuer les 10 gardes. Hein. Va les trouver. Va passer quand même par la pharmacie. Ça, c'est impératif. Vaut mieux avoir trop de soins que pas. Quoique, on en a pas mal. Alors, j'aime pas trop. Il va faire nuit. J'ai eu. Ah oui, alors à chaque fois qu'il se met à pleuvoir, ça frise un petit peu le jeu, mais ça, on est habitué maintenant. Allez, pour une fois qu'on cherche des lycos, on va pas les trouver. Niveau de la map. Peuvent être dans les bois. Oh. Ok. Ça c'est fait. On en est à 3. Ici. I sense danger. Pas trop de bruit pour les entendre, hein, mais bon, on est qu'à 3. Hein. En sachant que dans les bois, on va pas voir que. Hein. C'est ça un petit peu le souci. La vache. Je peux pas monter? Et fais un effort. Tu peux y arriver. Nickel. On verra peut-être mieux de là-haut. Hein. Cette île est assez space, hein. Faut être honnête. Il me l'a pas compté. Il me l'a pas compté. Non, il me les compte pas en dehors de la ville. Ok. Bon, on va se rediriger vers la ville alors. J'ai pas l'impression qu'il me les compte. On en est à 3, j'en ai tué 2 là.
Il n'a pas compté. Donc je pense que c'est au niveau de la ville. Alors, je vois pas trop pourquoi ils nous disent de faire gaffe dans la forêt, mais bon. Eh bien, on va essayer de les trouver au niveau de la ville. Ce qui ne nous empêchera pas, si on en trouve là, de les tuer. Hein. Ça nous fait de l'XP. Fais gaffe à la stamina. Parce que... Au niveau de la ville. Apparemment, il les compte que dans la ville. Ok. Et ben, il va falloir qu'on fouille. Oh, il y a un copain Tiger. Oh là, je l'ai pas vu, je sais pas où il est. On va chercher nos hunters, hein, en espérant qu'ils soient dans la ville. Hein. Ici, parce que là il va nous le compter, normalement oui. Hein. I'll kill you. Ah ben mince, il nous les compte pas. Alors, est-ce que c'est parce qu'il faut que je prenne le contenu? Alors, ça voudrait dire qu'il faut que je jette pas mal de choses. On va prendre tout. Non, il le compte pas. Hein. C'est bizarre. Il nous a compté les trois premiers. Ça, je m'en fous un peu, on va jeter. Ici, ça, on s'en fout. On va regarder la quête à nouveau. Alors, tuer 10 gardes localisés dans la tour de Coby Island. Ils peuvent effectivement être aux alentours de la tour, mais il est possible... soit aussi dans les forêts aux alentours. Bah, ça tient pas la route là. C'est spécial. Je sais pas, la quête me dit qu'on va galérer là. On va galérer. Un coup, ça on jette. Ça, on jette. Hop. C'est bizarre. C'est bizarre. Où c'est qu'il faut être situé, quoi? Une tour. S'il me les compte pas là, je vois pas du tout là. On a le lion qui est par là, je sais pas où. Stan. Ouais, Stan, c'est sûrement quand on aura tué les guides gardes, hein, lui qu'on va pouvoir lui parler. C'était trop beau. On en a un là. Enfin, une du moins. Est-ce que ça va nous la compter? You will regret this. Non. Oui, mais cette maudite tour. Des gardes spéciaux. Ben écoutez là, hein, c'est un petit peu la surprise. Alors, on va fouiner, hein, en attendant.
On a vu Stan, donc je pense qu'il faudra rendre la quête à Stan, qui est là. Mais là, pour le moment, je n'en sais rien. Écoute, on va visiter les baraques. Hein. Il n'y a que ça à faire. Prendre. En espérant que j'arrive à trouver Lady Garn. Ce que je vous propose pour pas vous imposer de me voir looter dans toute la ville, c'est qu'une fois que j'ai tué les 10 gardes, ben à ce moment-là, on se retrouve, je pense que c'est le plus simple. Parce que là, je pense que je vais tourner un petit peu en rond, pour être honnête. Donc, autant qu'on se retrouve une fois que j'ai tué les 10 gardes, et au moment de rendre la quête, je pense que c'est le mieux. Donc je vous dis, ben, au mieux, au plus vite, essayez de trouver ces 10 gardes, enfin les peu de gardes qui nous restent. Et si j'arrive à trouver la tour, ben, je vous reprends à ce moment-là. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai eu 6 hunters sur 10 pour l'instant. Apparemment, c'est ceux qui me foncent dessus en courant. Les autres, apparemment, ne sont pas comptés. J'ai tué un bon paquet pourtant, mais voilà, dès qu'il y en a un qui me... Je sais pas où il est. Dès qu'il y en a un qui me fonce dessus, en fait, voilà, comme ça, là, lui qui me court dessus, celui-là, il devrait être compté. Non, même pas. Même pas, il m'a vu, juste. C'est des hunters particuliers, en fait, hein, qu'il faut tuer. Hein. D'où tout le problème que ça va être. Niveau de l'inventaire, qu'est-ce que je peux jeter? On va crunch ça. On va boire un. Et il nous faut. Alors, à se soigner. Je jette des trucs. Hein. Alors, on va jeter ça. Histoire d'avoir de la place hein, au cas où on tombe sur les plans. Voilà. Je ne sais pas du tout, mais du tout, mais du tout lesquels faut que je tue. Alors, tout ce qui bouge, hein, on les nique. Parce que là, c'est un petit peu compliqué. Oh non, pas un loup. Allez, là-bas. Je te laisse parce que tu ne m'intéresses pas. Alors, j'ai peut-être allé à mon bateau me vider la totalité de ce que j'ai trouvé. Ça ferait de la place. Donc, ben, les clous, on va poser ça, 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 ça. Ici, ça. Hop. Ça, on va garder alors la gasoline, hop, ici, ici, on va mettre, on n'a pas besoin de ça, 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 voilà, comme ça on est nickel, et ça j'en ai pas besoin, la pioche, on va la mettre en bas, voilà, ben, on est reparti. C'est bizarre quand même que voilà que ce soit vraiment que certains hunters. Pardon, excusez-moi. C'est bizarre parce qu'il n'y en a pas 50 millions. Il faut vraiment qu'ils me foncent dessus en fait en courant. Spécial. Bon, j'ai fouillé à peu près toutes les maisons. Il
On a eu pas mal d'électric parts, on a eu pas mal de choses, mais... I sense danger. Et où? Là, il va pas être bien, hein, de toute façon. Non, il est pas compté. Il est pas compté. Est-ce qu'il y aurait une tour? Je verrais pas trop l'intérêt de la chose. Vous n'avez pas à me taper des animaux là. Ce sont que quelques hunters. Alors, c'est vaste. Hein. Il nous complique la tâche là. En fait, il nous en manque 4. Oh non, ben oui, mais. Et l'autre, elle est où? Ça me la compte pas. On va se soigner. Je savais que cette tâche n'allait pas être simple. Hein. Je me doutais bien que c'est certains hunters, hein, sans compter les loups et le reste. Hein. Je me doutais que cette quête n'allait pas être facile. Hein. Près de la grotte. Hein. Ça gratte, ça? Ouais. Je peux aller voir dedans parce qu'il y a un minéraux, je me rappelle plus trop. Et de la lue encore. Bon, on peut miner un petit peu hein, en attendant. Ça ne fera que du bien. Pour la base de toute façon de ramener des minerais, puis là faut attendre un petit peu qu'il repop je pense, donc mais là cette quête est assez particulière, je le cache pas, je me doutais bien, je vous le redis une fois, mais je me doutais bien qu'il allait y avoir un petit truc là par là. Tuer 10 hunters comme ça au pif, ça me paraissait bizarre. Donc ça n'en prend que certains. Écoutez, en attendant la minée, on peut peut-être s'en trouver un ou deux avec un petit peu de chance dans la mine. Hop, on notre arc. Mais est-ce qu'ils vont compter? Je ne sais pas. Et ça permet comme ça, au dehors, à ce qu'ils repopent, parce que là, very complicated. Hein, là, il n'y a rien. Pour une fois que j'aimerais bien les trouver dans les grottes, hein. Ils y sont pas. C'est une blague. Là, il n'y a rien. On n'a pas beaucoup de minerais. Hein. Alors, où ils sont passés, ils ont miné. Minuit 33 dans le jeu, pardon, excusez-moi, mais alors la voix, hein. Mais vous êtes habitué maintenant, vous savez qu'une fois sur deux, bah, écoutez, ils n'ont pas l'air d'être dans les mines non plus, ça va être compliqué l'affaire là. Pas le fait de pas les chercher hein. Bon bah, on va ressortir, j'ai plus en train de m'éloigner que de ressortir, mais
Ouais, cette quête-là est assez compliquée. Enfin, compliquée. Un petit peu vaste, on dira. Alors, par contre, ils ont rajouté, enfin, le nouveau développeur a rajouté le bruit des armes au niveau des hunters. Quand ils rechargent leurs armes, avant on les entendait pas, maintenant on entend. Donc il y a eu ça d'amélioration. Donc petit à petit, il reprend le terrain et c'est très bien. On va se rediriger vers la ville. Je pense que c'est le mieux qu'on ait à faire. J'espère que ma lampe va pas me lâcher. Car est-il 1 heure? C'est peut-être là-haut, hein. Une tour des éoliennes. Ou déco. Décoration? Je sais pas du tout. C'est une horreur, hein, se balader en pleine nuit là. Voilà. Mais ouais, je pense pas que. You will regret this. Bon, normalement t'es morte, hein. Il m'a pas compté. Hop, on va se soigner. Ah, ils auraient pu lui mettre leur mettre un gyrophare. Cela tue les. Cela ne les tue pas. Bon, évidemment, ça serait trop simple. Mais écoutez, on va chercher. Hein. Je vous garde un petit peu. Une tour. Il y en a un là, mais bon, il ne court pas après. I'll kill you. Je l'ai vu tout à l'heure, mais je peux y aller. Ah la vache, voilà. Allez, peut-être il va être compté. Non, même pas. Il n'est même pas compté, pourtant il me courait après. Cette mission va être un enfer. Une tour. On peut se balader longtemps, l'île est grande. Hein. Enfin, l'île est grande. On a un cochon, ça ne nous aide pas plus, mais... Pas, me semblerait plus que ce soit sur les terres, hein. Plutôt que de toute façon on va tourner, hein. On est obligé. Je vois pas une tour en contrebas. Et apparemment il n'y a pas de tour, on a eu des éoliennes, hein. A mis des mystères. Je vois pas de tour, mis à part en hauteur là, c'est tout, hein. Mais est-ce que ce serait, non, ça c'est l'autre île, hein. Ouais, c'est l'autre. Oh, un petit croco là. Non, mais c'est pas un croco lui, hein. Celui-là, c'était un teddy. Ok. Je me disais, il fait beaucoup de bruit pour un croco.
C'est cochon ce coup-ci, il faut arrêter là. Je vais me soigner. Je prends pas les animaux parce que ça m'intéresse pas. J'ai assez à manger sur moi, donc c'est pas la peine. Un croco par là, mais bon. Vu la rapidité à laquelle ils vont, il n'y a pas trop de soucis. Donc là, il y en a un, mais est-ce qu'il va compter? Non. Donc c'est bien des spécifiques. Hein. Oh la vache. Rien pour me simplifier la vie. Vraiment compter, je pense. Si je meurs pas. Oula, c'était chaud, hein. Oui, ça me les a comptés. Alléluia, on dira. Hein? Donc il nous en reste deux à trouver. Alors, on peut tout prendre. Hop. Allez. Il y en a un autre. Voilà, c'est cela quand il court sur vous. Voilà, on a les 10. C'est bon. On va tout prendre. Eh ben, j'ai bien fait de vous garder avec moi et pas de faire. J'aurais pas eu le temps de relancer, de remettre l'enregistrement que je les aurais tués. Donc j'ai bien fait de vous garder avec moi. Donc qu'est-ce qu'on nous dit maintenant? Alors, qu'est-ce? Trouver les schémas de turbines. Il y en a une dans une maison dans Cobisland. Alors, j'ai fait toutes les baraques. Hein. Mais bon, s'il le dit, on va le croire. Toujours un lion là. Alors, je vais m'en dépatouiller parce que sinon, il va me casser les pieds. Donc, dans une des maisons. Alors, dans une des maisons, il y a un plan de turbine machine. Bon, donc, on se retape les maisons. Alors, là, il va pas falloir en rater une, hein, c'est le cas de le dire. Donc, ça, je m'en fous un petit peu. Ça, je m'en fous un petit peu. On revendra le reste. Hein. Ça, ouais. Alors, faut rien oublier là. Hein, parce qu'on ne sait pas laquelle dans quelle maison. Ok. Bon, je vais peut-être être un peu mal éteindre ma lampe vu qu'il fait jour. Ça sert à rien. Alors je vous garde avec moi. Ou alors. Comme vous voulez, je fais toutes les maisons et je vous retrouve après, peut-être que c'est mieux. Dès que j'ai trouvé les plans, je vous reprends. Voilà, tout simplement. À tout de suite. Alors, j'ai trouvé le plan des turbines machines. C'est un carton qui est au sol comme ça, dans une des maisons. Voilà. Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'était, on avait beau fouiller les maisons, je pourrais être honnête avec vous. Voilà, les plans sont là. Il y avait que dalle, hein. Donc c'était juste, voilà, c'était juste planqué un carton au sol, un grand carton au sol dans une maison. Donc là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quête. Localiser et parler à Marc, donc je sais où il est, celui qu'on a vu tout à l'heure. On va y aller. Alors ça n'a pas été sans mal, hein, je vous le dis, parce que je m'en suis tapé des hunters. Donc si je n'ai pas mauvaise mémoire, il est ici dans le resto. Marc, voilà. Ah, c'est pas lui. C'est pas lui. Oh non. Alors, qu'est-ce? Localiser et parler à Marc. Il est localisé dans une maison à Blood Island. C'est une blague. Marc. Localiser et parler à Marc. Il est localisé dans une maison abandonnée à Blood Island. Marc est le meilleur ami de Jack et peut
Et prend en charge tout ce qui concerne ben, les trucs de la résistance. Alors, sûr, faut que j'aille à... Va falloir qu'on aille où ça? Localisé à Blood Island. Alors, au niveau de la map... On est à Kobe. Il va falloir qu'on aille là-haut. Ok. Ben on va en rester là hein, sur cet épisode de numéro 20. Ben, ça pas de la, c'est pas de la tarte, je vous le dis. C'est pas facile. Hein. Il complique, il a vachement compliqué les choses. Donc, prochaine étape, il faut qu'on aille à Blood Island pour tout simplement localiser et parler à Mark qui est dans une maison abandonnée. Alors, où on verra ça. Je vois pas trop au niveau de la map Blood Island, une maison abandonnée. Je crois qu'on n'y est jamais allé sur ce style. Hein. Donc on prévoira quand même des pioches, etc. pour le prochain épisode. Donc lui, il veut pas nous causer. Stan, ça m'aurait arrangé. Parce que j'ai plein de trucs à vendre, mais bon, je vais me soigner quand même. On va boire un petit coup vite fait. Donc on a nos turbines machines, tout va bien. Donc là, il va falloir qu'on reprenne le bateau, qu'on aille à la base. Je vais le faire hors caméra, hein, mais donc va falloir que j'aille à la base, vider le contenu, faire des pioches, on ne sait jamais. Et puis après, ben, au prochain épisode, on partira pour cette île-là, pour Blood Island, donc ici. On aura voyagé, hein, on est parti de là, pour, je suis repassé là à la base, pour aller là, et puis maintenant, il faut qu'on aille là-bas. Donc, on va, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo là. On va rester là pour cet épisode 20. On aura quand même pas mal avancé. Prochaine étape, épisode 21, on ira donc sur Blood Island aller trouver le fameux Mark. Et puis, entre-temps, moi, hors caméra, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à la base, vider le contenu de l'inventaire, faire un petit peu le point au niveau nourriture, etc., etc., etc. Et puis, on se retrouvera au prochain épisode ben, pour aller... À Blood Island là-bas, l'île du sang, oh, ça promet. Allez, sur ce, plein de bibi, plein de zouzou, et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Bye bye.